J'ai préparé un petit truc. Des problèmes avec madame là. Fais gaffe, sa femme peut aussi le combat. Hein. Fais gaffe. Ah putain, carrément. Donc voilà, un livre d'enfant ou un club de striptease. Ok. Yes. Donc, Laurent. Ouais, je suis à l'écoute. C'est le sujet, quoi. Dis-moi. La flûte enchantée. Livre d'enfant, club de striptease. Ça peut être les deux. Non. Ah, si, ça peut livre, être d'enfant. Livre d'enfant. C'est un livre d'enfant. Mais c'est parce que. Mais moi, je connais la flûte enchantée à l'époque. Ah ouais, mais ça, c'est, il a raison. Enfin, je sais c'est pas. Sur la c'est d'innov. On est bien d'accord. Mourad. Dis-moi. Le trou obscur. Oh. Moi, je connais le cercle, le film Le Cercle. Non. Mais c'est un trou obscur. Le trou obscur. Ah, de Ring, de Ring. Ouais, The Ring. Ouais, ouais, près de Villevorte, le Ring. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Alors, livre d'enfant, club. On dirait un club. C'est un club. C'est quoi le nom du club? Le trou obscur. C'est sérieux, je te promets, c'est des vrais clubs. Hein. Le trou noir. Bon, ils sont aux États-Unis, je me suis renseigné, c'est des vrais clubs. Le néant. Deux heures de carte. Ouais, ça. Moi, si c'est pour enfants, je lis pas ça à mes gosses. Hein. Mais c'est ce que je me suis dit. Comment tu dis à ton gosse, allez, c'est l'heure du dodo, je vais te lire le trou obscur. Papa va te raconter une belle histoire. T'as qui? Oui. Dis-moi. Quoi? Le pénétrator. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Le pénétrator. Même regarde pas quand tu dis ce truc. Le nouveau Pokémon. Répète un peu ton truc là. Le livre d'enfant ou club de striptease. Mais comment tu l'as appelé, le pénétrator? Le pénétrator. Mais moi je répondrais pas à ça devant une caméra. Mais le pénétrator. Ouais, ça c'est un club, hein, c'est un club. Putain, c'est un livre d'enfant, mec. Tu parles sérieux, mec? Je te jure. Ne jure pas. Ces ricains sont malades. Qui a écrit ça? Le pénétrateur, c'est un livre d'enfants. Et ça raconte quoi? C'est quelle édition? Mais ça, les gars, je me suis pas renseigné sur tout non plus, hein. Mais le pénétrateur, c'est un livre d'enfants. Ah bah mec, tu m'impressionnes parce que avoir cette idée de chronique, il faut avoir un esprit bien malade. Mec. Bien allumé, exactement. Voilà. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai hésité à l'embaucher? Ah mec, je comprends. Ça va pas ensemble. Oh, enfants striptease, ça va pas ensemble. Mais ouais. Enfants striptease, arts martiaux, il y a la famille qui écoute. C'est son cosmos, c'est son cosmos. Case. Vas-y. Oh. Éruption volcanique. Bah tu me l'as dit hier, c'est un livre d'enfant. Non mais justement j'ai fait exprès. Ah, c'est un strip club. Mais alors Tika Tika Boum Boum. Aïe aïe aïe. Livre d'enfant, striptease. Ou les deux. Non t'as dit qu'il n'y avait pas les deux. Non. Striptease. Non, c'est un livre d'enfant. C'est un livre d'enfant. Bien devant le micro. Yes. Laurent, la queue du castor. Elle est plate celle-là. Non, c'est sérieux, la plate. Qu'est-ce que je dois répondre? Fais un plaisir. Ouais, les castors, ouais, c'est un livre d'enfant ça. C'est un livre d'enfant, ouais, comment tu disais ça? Ouais, je vois pas un. Non, ouais, ça c'est bizarre. Déjà, l'idée d'un club, tu vas pas appeler ça comme ça. Ouais. Voilà, on va pas détailler. On va pas détailler. Mourad. Ouais. La pitoyable princesse. Livre d'enfant. C'est un club de striptease. La pitoyable princesse. C'est scandaleux. Bah, attends, pour un livre d'enfant, c'est clair, c'est chaud, la pitoyable princesse quand même. T'imagines? Ah, ouais. Peut être méchante la princesse. Hein. Ah, c'est peut-être une princesse fatiguée aussi, voilà. D'où le nom. Une vraie chienne. C'est peut-être une sale princesse, quoi, tu vois. Ouais, tout, une sale princesse. Ouais. Vas-y, Mi. T'es qui? Ouais. Les jolies chattes. Moi je suis encore bloqué à pénétrator. Non mais je les garde toutes pour toi en fait. Les jolies chattes. Attends, vas-y. Les jolies chattes. Livre d'enfant ou club de striptease? Ouais, club de striptease. C'est un livre d'enfant. Hein, c'est un livre d'enfant. Il prend une voix un peu spéciale hein, pour dire. Pervers. Il se met dans le personnage. Non, mais les gars, moi je vous cache. Avec vous, entre guillemets, il fait un regard. Il me regarde. Il sent quelque chose qui passe. J'ai toujours su qu'il. Là, je vois Mourad, il prépare un mawashi là. Il m'aimait bien quoi. Mais ce que vous voyez pas, c'est qu'il a des jambes. C'est filmé. Vous verrez après sur la vidéo comment. C'est un livre d'enfant, une jolie chatte. C'est un livre d'enfant. Les jolies chattes. Ah ouais. Les, il y en a plusieurs. Donc avec pénétrateur, je note à moi tout ça. Note. Case. Dis-moi. Le bâton magique. C'est Dragon Ball ça, c'est un livre d'enfant. Dragon. Son Goku avait un bâton magique. Oui. Donc, voilà. C'est vrai. D'ailleurs c'est il bon. Grandissait et rapetissait quand il voulait. Et sans les mains. Et sans les mains en plus. Ouais, ce qui est pas facile. Voilà. Et un nuage magique aussi il avait d'ailleurs. Alors, ta réponse? Bah, je dis un livre d'enfant. Non, c'est un strip club. Ah ok, d'accord.
Bah écoute, chacun son truc. Mais alors, je t'écoute. Les 5 tours de magie. Alors, mais alors, c'est à toi. Oui. Jacques est en mode perturbé. Un livre. C'est bien un livre d'enfant. Ouais, okay. Ouais. Laurent. La coquine de la ferme. C'est un film de cul, ça. La coquine de la ferme. C'est la copine de la princesse maléfique. Ça peut être un véritable exemple. Non, c'est un club, ça. C'est un livre d'enfant. C'est sérieux, ça. Bon, et j'ai pas comptabilisé les bonnes réponses, il y en a pas beaucoup. Mais ouais, mais écoute, non, on a cartonné tous. Bon, on a tous dit des bons points. Voilà. On a tous dit des bons points. J'en ai une dernière. Voilà. Aladdin, Mourad. Oui. Aladdin et sa lampe magique. Livre d'enfant. C'est un livre d'enfant. J'avais changé un petit mot, mais non, ça n'a pas marché. À une lettre près. Hein. À une lettre près. Et sa lampe magique, non, voilà. À quoi ça tient? Non, mais les gars. Franchement, je peux... un petit avis personnel. Entre les livres d'enfants et les clubs, il y a un pas parfois. Hein. Cendrillon, pour moi, c'est une matérialiste qui veut le prince charmant. Ouais. Elle ne voulait pas le pauvre villageois, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Donc. Alice au Pays des Merveilles aussi. Ouais. Laurent, si tu parles de Walt Disney, tu vas sur un terrain dangereux. Ouais, c'est vrai, on va pas se lancer là-dedans. Fais gaffe. Moi, je suis de l'autre côté, je sais qu'il y a quelqu'un derrière qui est occupé. Le roi Lion avec Whoopi Goldberg. Voilà, Whoopi Goldberg, déjà, c'est déjà la folie. Alors là, si tu commences à insulter Cendrillon, là, c'est. Non, les gars. Il va avoir une compétition ici. Ouais. Cendrillon, elle portait des loups boutins. Des loups boutins, bien. Quand elle sortait du carrosse, elle avait des loups boutins.